Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon début de semaine, cette édition du 17 septembre à la une, le blanc voit rouge. 3000 personnes au moins ont manifesté samedi pour exiger la réouverture de la maternité. Au nom de la sécurité, élus professionnels particuliers portent un message d'alerte pour demander que les territoires ruraux ne soient pas sacrifiés. C'est une marée humaine habillée en rouge qui a envahi samedi les rues du Blanc. La mobilisation générale pour la réouverture et le maintien de la maternité de l'hôpital a réuni plus de 3000 personnes, citoyens, associations, syndicats, professionnels de santé et élus de tous bords et d'autres départements voisins. Espérer qu'enfin l'administration et l'État les écoutent. Reportage. J'ai entendu en effet l'administration dire « au nom de la sécurité, on va fermer ». Eh bien, nous disons « au nom de la sécurité, il faut absolument maintenir ». La colère des élus de toute la région dénonce ce qui est qualifié d'atteinte à la sécurité et de mise en danger de la vie des personnes en milieu rural. Ces décisions qui concentrent toujours plus, qui oublient le territoire rural, qui méprisent le territoire rural, qui font que ce qui était possible il y a un siècle ne le serait plus au XXIe siècle, ça n'est pas acceptable. Nous sommes pour la vitalité de la ruralité, ça passe par le service public, ça passe par le service public de santé. Nous irons avec les Indriens, avec les habitants du Blanc, voir la ministre, pour porter très fortement cette revendication pour qu'elle aboutisse. Le député La République En Marche veut aussi exprimer son soutien et assumer un courage politique aujourd'hui et demain. Quand le sujet sera politique, je saurai en tirer les conséquences et je suis fier de vous défendre et d'être avec vous. Je dis simplement qu'aujourd'hui, l'administration de la santé au niveau régional ne nous entend pas et est fermée à tout. Je pense que sa directrice générale aujourd'hui veut faire du zèle en fermant les unes derrière les autres les maternités. Et si ça doit devenir un sujet politique, je saurai prendre mes responsabilités le moment venu. Et le premier acte sera sans doute dans la vote du PLFSS, le projet de loi finance de la sécurité sociale. Dans le cortège, les mamans et futures mamans font entendre leur voix. Soutenu par le personnel médical de l'hôpital voisin de Vierzon, en grande difficulté financière. De toute façon, les scénarios sont les mêmes partout sur le territoire. Ils procèdent exactement de la même façon. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'on a baissé la limitation de vitesse à 80 km/h pour sauver des vies et parallèlement à ça, on éloigne les centres de proximité. C'est complètement contradictoire. Expérience passée ou à venir, les habitants usagers de la maternité de tout le territoire sont venus avec leurs pancartes. Moi qui ai accouché, j'ai fait deux maternités, Châteauroux-le-Blanc, et je recommande fortement le Blanc. On n'est pas à Paris, bien sûr, mais il y a quand même des mamans qui veulent accoucher tranquillement. Ils donnent une maternité qui a un personnel qui assure le travail. Il n'y a pas de raison que dans le Berry, on soit mis à l'écart. Je peux continuer mes rendez-vous, mais je ne peux pas accoucher. Donc il y a les médecins qui sont présents, il y a des personnes qui sont présentes, mais les salles d'accouchement du coup sont fermées, donc du coup on ne peut pas accoucher au Blanc. Je me dis, s'il suffit que ce soit prématuré ou quoi, les soins médicaux, je ne les aurais pas forcément à portée de main. Il faut attendre les résultats d'une mission d'expertise en cours par des médecins extérieurs à la région. La mère n'y croit pas. La personne que j'ai rencontrée me dit « Ah, mais il faut que je fasse une colonne avec les plus, une colonne avec les moins ». J'ai dit « Oui, mais s'il n'y a que des plus ». Elle a dit « On va forcément trouver des moins ». J'ai dit « Oui, mais je sais bien comment ça va être exploité ». On passe notre temps à dire ça, qu'il y a une maternité, qu'il y a un hôpital de qualité, qu'il faut le maintenir, qu'il faut le faire vivre. C'est la voix d'un territoire qui a été porté ce samedi. Prise de parole, atelier banderole et bonne humeur pour montrer son unité avec ce Bella Ciao revisité, le nouvel hymne blanquois. Debout les blanquois, mon pays nous sommes, au